Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul action et un autre magasin qui n'était pas prévu, mais voilà. Donc, je devais aller chez Action pour un truc et j'ai un gros sac. Voilà. Donc, je vais vous montrer Action après. Je vais juste vous montrer d'abord. On a été acheter des graines pour les chinchillas. D'abord, on a été chez Cora aussi et faire 2-3 courses bouffe et compagnie. Hein. Mais j'ai repris du coup ceci que j'avais acheté pour goûter et que j'avais pris pour les filles aussi. C'est des pop-corn à faire au micro-ondes. Donc, c'est dans le rayon, pour ceux qui me suivent, enfin qui sont du coin. Dans le rayon des pays étrangers et tout ça, le rayon du monde, c'est des pop-corn à faire au micro-ondes, à la sucette, enfin, à la canne à sucre. Vachement sucré, mais ils sont divinement bons. Ils sont pas bien chers, ils sont 47 centimes. Et comme on les adore, j'en ai pris 6. Voilà. Donc ensuite, on a été acheter les graines pour les chichous dans un magasin animalier près de chez nous, hein, le Horta, anciennement Silolux, pour ceux qui connaissent. Chérie a voulu leur prendre ça de chez Versailaga, c'est des Crispy Sticks. Il y a 3 pièces dedans. Ah, c'est 3 différents en fait. Là, il leur en a mis un, mais ils sont pas hyper, hyper, hyper fans. On a repris une boîte comme ça. Bon, il n'y a pas de chinchilla hein, dessiné dessus, mais c'est que de l'herbe et des carottes avec des vitamines. Et voilà, c'est vraiment pour leur donner en tant que friandise quand ils rentrent dans la cage, quand on les fait rentrer le soir et tout ça. Et je leur ai trouvé un truc, c'est une roue aux herbes, pissenlit et sucis. Donc ça, ils vont raffoler, ils adorent les pissenlits. Hein, voilà. D'ailleurs, il faut que je refasse pour faire le stock d'hiver. Il faut que je leur refasse des pissenlits séchés comme friandise. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'il y avait un rayon Noël. Donc, j'ai acheté quelques petites choses de Noël. Déjà, j'ai pris ça. Donc, c'est des petites paillettes, enfin, des petites étoiles holographiques. Donc, ça, je m'en sers dans mes make-up. J'en ai et j'en ai plus beaucoup parce que j'utilise très souvent, surtout pour les fêtes. Donc, j'ai trouvé celles-ci. Elles n'étaient pas chères. Donc, j'ai pris celui-ci qui était en promo. Alors, celui-là, c'est pas du tout pour mettre dans mon sapin parce que ça n'est pas très sapin, mais c'est dans les décos de Noël quand même. Mais je vais le pendre en bas au-dessus de mon bureau. J'ai un clou de libre. Un capteur de rêve comme ça en métal. Il est magnifique. Magnifique, sublime. Franchement, il est superbe. Il y a des strass et tout dessus. Oh, et pour le prix où je l'ai payé, j'étais bien contente, quoi. Magnifique. J'ai même aussi trouvé un petit Bambi. Donc, pareil, il n'ira pas dans mon sapin parce qu'il ne sera pas... Ah, mais je peux le mettre dans celui-ci. Je vais peut-être le mettre dans celui-ci. Regardez comme il est beau. C'est un doré et marron. Il est sublime. Donc, oui, à chaque fois qu'il y a des décos de Noël, j'achète des Bambi, c'est sûr. Voilà, mais en principe, je les prends en blanc parce qu'ils vont avec tous mes sapins, vu que je change juste les boules colorées et que c'est blanc et argenté pour le reste. Mais celui-là, je l'ai trouvé trop beau. Donc, au pire, je le coupe et je le mets en déco dans mon fond. Je sais pas encore, mais celui-là, il ira en déco dans mon fond. Comme les deux trucs-là qui étaient dans les décos de Noël, c'est Chéri qui me les a offertes. Il m'a dit, prends-toi une de chaque parce que j'aimais bien les deux. Des licornes. Elles sont magnifiques. Donc, attendez, je vais enlever l'étiquette. Mais elles sont sublimes. Bon, il faut que j'ai laque, hein, clairement, parce qu'elles perdent les paillettes, hein, mais elles sont trop belles. Et je pense qu'elles iront en déco dans mon fond. Voilà. Dans le sapin, c'est juste à poser. Là, je vais certainement les mettre en déco en bas quelques temps, mais quand je referai mon fond d'hiver, je pense qu'elles iront dans le fond d'hiver. Donc voilà pour ça, mais maintenant j'ai des paillettes partout. Alors on va passer chez Action, et là c'est un carnage total, donc je vais déjà ranger ce petit bazar là. Alors j'y allais parce qu'il me fallait deux trucs, voilà. Déjà j'ai racheté du papier cadeau, parce que c'est vraiment là qu'il est le moins cher. Après j'ai pas trouvé qu'il était très beau cette année. D'habitude ils en ont toujours des sublimes, et là il était pas très beau. Donc j'ai pris celui-là, j'ai pris 3 rouleaux comme ça, et... non attendez, 3 rouleaux comme ça, et un comme ça, parce que j'en ai déjà de l'année dernière. Il m'en reste un, donc ça sera assez pour emballer les cadeaux. Hein. De toute façon, on ne fait pas énormément de cadeaux. Enfin, on en fait pas mal quand même. J'ai pris un chemin de table rouge avec des petits flocons pour quand les filles elles viennent pour faire Noël entre nous. Voilà, il est très joli. C'est en papier. Hein, mais, Est-ce qu'il donne la dimension 40 cm sur 3 mètres 2. 3 en 1, on peut le mettre soit te faire des sets de table,
soit les mettre dans un sens, soit dans l'autre. Voilà, c'est modulable, hein, puisque c'est scoop de toute façon. Donc, J'ai trouvé des boules de Noël vertes. Donc, les foncées, je ne vais pas m'en servir. Mais les claires pour mettre dans mon sapin, vu que je fais le sapin rose, rose gold, hein, comme la licorne, là, et blanc. Et j'avais vu sur Instagram, et le petit tableau que Manon m'a fait, que le vert va très bien avec le rose, rose poudré, comme ça. Donc, voilà, je les ai. Donc, le premier truc qu'il me fallait, c'était une nouvelle souris. Parce que la mienne, elle est en train de rendre l'âme. Alors, pour jouer, c'est pas facile. Et j'ai pris celle-ci, voilà, elle est en camo, mais il n'y avait pas le choix, de toute façon, il y en avait que deux, donc j'ai pris celle qui était en camo, c'était la plus belle des deux. Alors, on a repris un stock de briquets, parce qu'à la base, il nous en fallait un, parce qu'on avait oublié de prendre un briquet pour allumer nos clopes. Donc là, on a utilisé celui-là en sortant du magasin, voilà, c'est avec des mandalas comme ça dessus, très beau. Chérie s'est pris celui-là avec des petits chiens bizarres. Des petits chiens en costume. Et celui-là avec des petits cœurs. Voilà, donc les briquets, hein, on n'en a jamais assez. Hein, quand on est quatre fumeurs à la maison, c'est pas bien. On ne fume pas, les enfants. On a repris également des lavettes parce que je suis tombée à court de lavettes. Je ne sais pas où elles sont passées mes lavettes. Je crois que les garçons, à chaque fois qu'ils font un truc dans leur chambre avec une lavette, ils ne les redescendent pas. Voilà, on a pris ceux-là, c'est des microfibres. Hein. Je prends toujours des microfibres. Il y a trois modèles. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait rose, mauve. Mais voilà, on a pris au pif, hein, je m'en fous, pour faire ce qu'on en fait. Chérie s'est pris une boîte de chocolat, comme ça, donc je vais clairement lui en piquer. C'est les petits fruits de mer, là. Mmh. C'est trop bon, ça, c'est praliné à l'intérieur. Ça, c'est trop bon. Donc ça, je vais lui en piquer, c'est clair. Il s'est repris une boîte de masques, parce qu'au boulot, ils ont un peu de mal à les avoir en ce moment, là. Le boulot est censé les fournir, mais ils tombent à court très facilement, donc... Il s'est pris une boîte de masques, il y en a 50 à l'intérieur, et ils étaient à 3 euros, je crois, donc il a dit, hop, je prends. Le déboucheur, qu'on prend tout le temps quand on y va, parce que chez nous, les canalisations, c'est de la merde, et ça se bouche tout le temps. J'ai pris deux cartes d'anniversaire pour les jumeaux de mon frère, donc ma nièce et mon filleul, mon neveu et ma filleule. Puisque c'était leur anniversaire le 14, donc je suis largement en retard, mais on n'a pas su aller avant. Et je leur ai pris des cartes cadeaux chez Action. Voilà, je me suis dit, on n'avait pas d'idée, je n'avais pas envie de faire 15 000 magasins pour trouver une solution. Et du coup, je me suis dit, ils seront heureux comme tout de venir avec leurs cartes cadeaux et fouiller le magasin pour trouver. Et en plus, ça leur fera beaucoup de choses à acheter. Donc, ils seront contents. J'ai pris, alors à chaque fois que Manon fait des photos avec son tapis moumouteux là, pour faire les photos sur Insta, je trouve ça tellement beau, mais je les trouve chères, moi, elles sont à 7 balles quand même. Donc j'ai pris du coup une taie d'oreiller blanche comme ça, moumouteuse aussi, et je me suis dit que ça ferait le même effet. Voilà, c'est une grande, hein, elle est assez grande. Donc voilà, pour faire mes photos Insta, ça sera très bien, c'est zippé si vous voulez mettre un coussin dedans. Moi c'est vraiment juste pour faire mes photos Insta. Pour quand les filles viennent, j'ai acheté des serviettes en papier. Donc là, pareil, hein, à part les Bambi, il n'y avait rien d'intéressant en question de Noël. Hein. C'était très, 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 très moche. J'ai repris des pâtés pour le chat. Donc j'ai pris celle là. Je viens de lui en donner une. J'en ai pris 6, hein, mais là, je lui en ai donné une. Il a bien aimé, donc ça va. Parce que j'étais tombée à court. Et j'ai pris également cette boîte-ci de gourmet. Je lui donnerai pour qu'il goûte, hein, mais c'est pas le genre du tout de marque qu'on achète pour les animaux non plus. Il y a 6 paquets de 50 grammes à l'intérieur, donc je me suis dit, il testera. Voilà, ça change un peu que de tout le temps avoir les mêmes. Mais lui, il adore ceux de la marque Cora. Voilà. Chéri a pris un mini mix comme ça de petits biscuits salés. Voilà, il les aime beaucoup aussi, ces petits trucs-là. Et c'est vrai que moi, je ne cours pas après, mais quand vous avez envie de saler, ça passe tout seul, quoi. Ça passe crème. Je cherche à comprendre. Il s'est pris des chewing-gums comme ça. Faire des grosses bulles, je sais pas pourquoi il a pris ça, parce que je le vois jamais manger les chewing-gums en fait. Il s'est pris deux paquets de celui-ci, les feuilletés fourrés abricots qu'il adore, qu'il prend à chaque fois qu'on y va et qu'il y en a, parce qu'il n'y en a pas tout le temps. En ce moment, c'est un peu la dèche. J'ai trouvé que le magasin, c'était un peu la dèche globale. Hein. Il a pris les fourrés bout amandes en rouleau, comme ça. De toute façon, il prend toujours la même chose. Hein. Si vous suivez les hauls, vous êtes habitué, il prend tout le temps la même chose. Et deux fois les gâteaux comme ça à la coco. Ceux-là, je les adore. Ils sont trop bons. Donc ça, je vais y en piquer aussi. Il a repris une rallonge parce qu'il lui faut une rallonge pour
Il fait des travaux demain et il faut une rallonge. Donc, il a pris une 5 mètres comme ça avec juste une prise, en fait. C'est pas une multiprise, c'est juste une rallonge. Et c'est fort pratique quand vous travaillez avec un appareil pour pas avoir la multiprise qui traîne partout. Il prend souvent ça. Les cartes cadeaux pour les jumeaux. Alors, j'en ai profité pour me reprendre des piles rechargeables parce qu'avec toutes les guirlandes lumineuses que j'ai derrière qui fonctionnent à pile, c'est un peu la merde. Enfin, j'en ai que deux, hein, mais c'est un peu la merde. Si je veux en mettre pour faire des photos, ben j'ai plus de piles. Donc, j'ai repris des rechargeables là-bas parce qu'elles sont vraiment pas chères. J'ai repris un paquet de lingettes bébé pour mettre en bas parce que j'en ai toujours ici en haut pour quand je fais les swatchs. Mais c'est vrai que quand je fais les swatchs en bas, j'en ai pas. Donc, voilà, c'est pas perdu. Hein. De la cire pour les garçons se coiffer parce qu'ils adorent se coiffer à la cire. Voilà, ils préfèrent la cire au gel. Hein. Ça durcit moins les cheveux et c'est plus... fixateur, fixant, je sais pas. Et j'ai pris 3 pochettes cadeaux, donc ça c'est pour les filles, pour mettre leurs petits cadeaux de Noël quand elles viennent. Si je vous les montre à l'endroit, ça sera mieux. Voilà, pour leurs petits cadeaux de Noël. Bon, il n'y a pas de surprise, elles savent ce que c'est de toute façon. Et j'en ai pris un pour la copine d'Enzo, parce qu'elle sera là le 26 quand les filles viennent, donc je vais lui faire un petit cadeau aussi. J'ai trouvé, pour mettre dans mon sapin, 2 nœuds roses, comme ça. Ils sont trop beaux. C'était nouveau, ça, ils n'y étaient pas la dernière fois que j'avais été. Donc, j'étais bien contente. J'ai repris, encore une fois, un Bambi. Ouais, mais celui-là, quand j'ai vu la pub, je le voulais. Par contre, ce qui m'énerve, bah là, on ne voit pas parce que j'ai pas... Ah, mais quoi que pour celui-là, ça va complètement contredire ce que je vais vous dire. Mais ils sont toujours tournés du même côté. Donc, vous ne pouvez pas les mettre, vous savez, un tourné l'un vers l'autre. Parce qu'en fait, il y a les détails d'un côté, vous voyez. Voilà, mais pas de l'autre. De l'autre, c'est tout lisse. Donc c'est dommage, ils auraient pu faire des deux côtés pour qu'on puisse... Et ça, chez Action, ça arrive très souvent que les produits, le dos ne soit pas de la même façon. Mon nœud de Bambi que je mets d'habitude en bois, là c'est pareil, il n'y a que l'avant qui est d'une sorte et de l'autre, derrière, c'est pas, même pas peint. C'est un peu dommage parce que sinon, si vous en achetez deux et que vous les mettez face à face, comme ça, ça peut faire trop beau, quoi. Mais voilà, il est très beau, donc c'est un pied en bois et le truc en métal. J'adore. Bambi Obsession, n'est-ce pas? Et le dernier produit pour lequel j'allais, c'est un Sanex, donc un savon au pH neutre, hein, la marque, on s'en fout. Vous verrez pourquoi dans les vlogs, voilà, probablement dans les vlogmas, je ne sais pas encore, je n'ai pas de date, mais voilà, comme ça, vous savez qu'il y a quelque chose que j'ai besoin d'un pH neutre, mais je ne vous dis pas quoi maintenant. Voilà, tout simplement, et c'est un gros bidon, hein, de toute façon, j'avais déjà dit que je l'essayerais au moins pour mon petit foufouillon. Parce que j'utilise tout le temps des gels intimes pour. Hein, voilà. Mais je me demande si ça serait pas mal non plus. C'est pour peau sensible, crème de douche, garde la peau saine, hydrate et protège délicatement. C'est la dermosensitive en 500 ml. De toute façon, j'avais pas trop le choix. Hein. Soit c'était le bidon de 500 ml, soit c'était les bidons de 5000 litres. Là. Donc, voilà pour ça. Donc, voilà pour mon petit haul Action. Enfin, petit. Chez Action, c'est quand même énorme. Hein, mais bon, à chaque fois qu'on y va... Moi, j'y étais pour deux trucs, la souris et le savon. Et voilà tout ce qu'il y a. C'est toujours pareil quand on va chez Action. Alors, vous pardonnerez ma tête de folle, hein, mais... voilà, il est très tard. Je suis gelée. Et voilà, aujourd'hui, de toute façon, je ne me suis pas maquillée. Demain, je ne pourrai pas non plus parce qu'il y a des travaux. Donc, je vais faire du montage et compagnie sur mon week-end. Et je rattraperai mes vidéos make-up pour le calendrier de l'Avent à partir de lundi. Voilà. Donc, du coup, vous avez eu la première vidéo avec le fond de Noël qui n'est pas prévu dans le calendrier. Mais j'allais pas retourner tout mon bureau pour vous faire un haul de dernière minute. Donc, voilà. Vous voyez déjà le fond de Noël si vous ne suivez pas mes vlogs. Et de toute façon, on se retrouve à partir de mercredi pour le premier jour du calendrier de l'Avent. J'ai tellement hâte, j'adore cette période. Et voilà, donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je suis crevée, hein, désolée. Si ce n'est pas encore fait parce que ça fait vraiment plaisir. On se retrouve, nous, mercredi. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous.